Parlez-vous Sneakers vous est présenté en collaboration avec Sneakers Culture. L'actu de la semaine, les futures sorties, les modèles à pas louper et la tournée des shops, c'est tout de suite dans Parlez-vous Sneakers. Ça va Linda? Ouais, cool, et toi? Ouais. C'est un concept de me voler mes pré-génériques. Il y a 2 semaines c'était Derka, là c'est toi, dans 2 semaines je me tape un ninja de Kenoa, c'est quoi le dégât? Bah écoute, moi on m'a dit que l'émission était dédiée aux femmes, donc je vais la faire. J'ai le choix? Bah non. Ah, bah alors c'est parti. Salut à toutes et à tous, on commence tout de suite avec une sortie pour nous les filles. C'est Nike et la marque Liberty of London qui collaborent, et que ça soit pour courir, marcher ou sortir en soirée. Le pack est composé d'une Dunk Sky High, une Air Max One et une Freerun 5.0. Quand Lil Wayne collabore, ça nous fait la chimère. La paire emprunte une foultitude de détails au modèle Supra Falcon. Et côté matériaux, Supra frappe fort avec du cuir, du daim et du mesh. À l'image de Lil Wayne, une paire extravagante qui ne laissera personne indifférent. Créée en 1988, la New Balance 576 fête ses 25 ans cette année. Alors si vous êtes à la recherche d'un look classique et intemporel, c'est la paire qu'il vous faut. Sortie en 93, rééditée en 2003 et 2008, la Air Jordan 8 Bugs Bunny est de retour. Elle s'est fait connaître grâce à la publicité dans laquelle apparaît le célèbre lapin mangeur de carottes et au film Space Jam. Alors si comme nous, les sangles de la basket vous font penser à Bugs Bunny, sortez de votre terrier et foncez au shop le plus près. Si vous aimez les Jordan 5 et que les grapes ne vous rendent pas plus folle que ça, Jordan Brand nous sort la Jordan 5 Citrus Fusion Pink. C'est du rose et du jaune citron qui illumine cette paire sur un joli nubuck noir. Elle sort en exclu pour les femmes, les enfants et les bébés. Et pour finir, restons dans le classique les filles. La Puma Suède se dote ici d'un coloris cabaret bleu Curaçao qui ne manquera pas d'inspirer vos tenues d'été. On poursuit avec les futures sorties. Bonjour à tous, pour les sneakers addicts fans de spoilers, sachez que la Jordan 4 Red Suede prévue pour cet été commence à faire monter la température. La version Girl Size, GS pour les intimes, devrait sortir au même moment. Pour la petite histoire, ce coloris est inspiré d'une PE ou Player Edition destinée à Carmelo Anthony. Les Player Edition sont des paires dédiées uniquement aux joueurs de NBA. Reebok continue de fêter la laser comme il se doit, et c'est encore une fois avec Mita Sneaker qu'il s'associe pour ce modèle. L'effet glow in the dark sera présent sur la paire par petites touches. Encore aucune date n'est annoncée. Pour finir cette petite sélection, Vans annonce la Vault Prison Issue LX. Tout en nubuck, perforé et très épuré, ses scratchs lui apportent une classe et une simplicité efficaces. Voilà, c'est fini pour cette semaine, rendez-vous dans 15 jours et profitez du retour du soleil pour user vos kicks. On enchaîne tout de suite avec le modèle à pas louper et c'est chez Lecoq Sport. Tu fais quoi là? Bah c'est mon émission, je présente ma rubrique. T'es sûr? Est-ce que tu veux que j'appelle Issam? Regarde là, il y a le repère. Fais-toi plaisir à la caméra. On continue avec une collaboration avec Lecoq Sportif qui collabore avec une boutique parisienne Hempstone sur le modèle éclat pour femmes. Et pour ce qui est de l'éclat, mesdames, vous n'allez pas être déçus. C'est une explosion de couleurs et de matières. Fuchsia, corail, citron vert, cuir matelassé, semelle intérieure, traité cuir. Une chose est sûre, avec ces élégantes running luxe aux pieds, les ladies ne passeront pas inaperçues. On inaugure une nouvelle rubrique dans l'émission, c'est le tour des shops. Avec l'équipe de Parlez-vous Sneakers, on a fait un petit tour de France pour vous faire découvrir toutes les boutiques spécialisées près de chez vous. Et on commence tout de suite avec Opium Store. Située au 9 rue du Cygne dans le 1er arrondissement de Paris, la boutique Opium créée en 2001 par 3 associés vous propose une sélection hommes, femmes et enfants. Vous trouverez sûrement votre bonheur dans cette boutique qui ne jure que par la marque Nike et Retro Jordan. Toutes les tendances de la marque Osouch sont représentées dans le shop. Pour les nostalgiques, un musée dédié aux modèles mythiques de la marque Nike vous permettra à coup sûr de vous remémorer des souvenirs de la grande époque. Bref, tout cela pour vous dire qu'Opium est l'adresse où il faut vous rendre si d'aventure vous êtes de passage à la capitale. On continue la promenade et on part sur Lille. En ouvrant la Basketball Lille, une boutique spécialisée basketball au 4 rue Saint-Génois dans le centre de Lille, David Silly avait pour objectif de faire partager sa passion pour la balle orange et de créer un lieu dédié aux basketteurs à la recherche de produits spécifiques. La Basketball Lille, c'est aussi une sélection de produits dits lifestyle à destination d'une clientèle mode. En 3 ans d'existence, la boutique a su forger une véritable identité basket. Alors si vous bifurquez par Lille, une pause basket s'impose. Voilà, c'est fini pour ce numéro de Parlez-vous Sneakers. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à ma pote. Mais, excuse-moi, tu me dis quelque chose, en fait. En fait, j'ai juste réalisé ton dernier clip. Ah, je me disais. C'est gentil, ça fait plaisir. Attends, on la refait.
Voilà, c'est fini pour 6e numéro de Parlez-vous Sneaker. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à ma pote Linda pour le soutien. Merci à toi. C'était un plaisir. Et puis on va se quitter en musique. C'est qui l'artiste que tu vas mettre? Une chanteuse du 95. C'est un pote à moi du 20e qui l'a produit. Elle s'appelle Linda. C'est moi. Ah mais je me disais bien que ta tête me disait quelque chose. Laisse-nous passer la loi TB. À quoi sert de m'attendre?